Pas avec Carla. C'est avec Shulk. Je déteste ce boss. Savoir si t'es en dessous de lui ou pas en dessous de lui, c'est pas de couilles. La technique que je déteste, pied de titan. Putain, elle a résisté, l'enculé. Je peux pas les bêter, donc ça m'énerve un peu en fait. Pouh, le 161 000 de dégâts. Le 161 000 de dégâts qu'a foutu Rain. Bah ça sentira à 1000 et des poussières. Alors t'auras pas le temps de le faire, c'est moi qui te le dis, ton pied de titan. Non, t'auras pas le temps de le faire, mec, je vais te violer. Mais ils sortent d'où eux? Mais ils sortent d'où ceux-là? Mais ils sont là depuis quand eux? Ils sont invités quand à la fête? Vous êtes invités quoi à la fête, les gars? C'était une fête privée, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Je vous ai pas invité. Non, mais les mecs, ils s'invitent. Les mecs, ils s'invitent comme ça à une fiesta. Normal, quoi. Des Pokémon sauvages, je vois le Pokémon, c'est le combat. Des mécons sauvages. Ah oui, comment j'utilise la bombe? Attends, comment j'utilise la bombe? Oui, oui, alors, d'accord. C'est pas là que j'aurai mes infos. Le module d'armement de la zone de maintenance, c'est où ça? Le module de maintenance, c'est où ça? Ah, c'est là-bas!
Vous avez fabriqué une bombe. Vous êtes maintenant officiellement un terroriste. Pas la moindre idée. Je sais même pas comment on regarde ça. Sans dire que j'utilise que 3 personnages, leur lien est au maximum. Quand je fais de la raffinerie de trucs des terres, bah. Pouah ! Ridicule ton explosion ! Oh, je m'attendais à de la grosse explosion, moi. Au point de tout faire tout péter. Pouah ! Terroriste en herbe. Non, la poignée de main, c'est les entrevues, ça. Bah, c'est le but d'attirer l'attention. Non? C'est pas le but? C'est pas ça le but, s'infiltrer dans le camp de l'ennemi, c'est pas attirer toute l'attention? Ah merde. Je croyais, moi. J'aurais pensé découvrir un truc secret, une petite zone secrète, ou... ou je sais pas quoi d'autre, bah non en fait. Y'a que dalle. Ah mais j'ai vu un chemin là-haut. La carrière est en train de prendre cher. Et aux multiples chutes qu'on subit. Ouais, en gros, je me suis fait chier, en fait, il y avait juste une échelle, en fait. Je suis le mec le plus doux au monde. Il y a une échelle, je la vois pas, donc je prends le chemin le plus pète-couille. Ah ouais, ça, c'est tout moi, ça. Je vois rien. C'est quoi la différence entre une vis et une vis militaire, hein? Bon, normalement, ils ont tous à peu près du même niveau, je crois. Dans un jeu comme ça, où quand tu utilises une équipe, l'autre équipe gagne aussi les points. Ils gagnent un peu moins d'XP, mais ils en gagnent quand même. Parce que leur truc des compétences monte donc. Voilà. Bah non, ils ont exactement le même level que moi, ils ont juste un peu d'XP en moins de plus. Voilà quoi, c'est ce que j'ai dit. Ah,
Oh l'enculé, il m'a coupé ma... mon attaque, l'enculé, avec sa projection. Ouais. Non, je pense pas, à mon avis, ça sera peut-être les 4000 points de vie. Je pense pas, ça serait trop cheaté si c'est ça. Je pense que c'est plutôt dans les 4000 points de vie. Presque one shot le mob. Mon coffre! Mon coffre! Mon coffre! Il est tombé dans le vide. Apparemment, on va y avoir un comité d'accueil. Il y a un gros apparemment. Mais Reign, prends un putain d'aggro. Brutti là. Mais garde l'aggro, enculé. Ah, compétence assimilée. Ah, lui il résiste bien par contre. C'est les trucs... C'est compétences assimilées, pas améliorées, c'est assimilées. C'est ça en fait.
c'est les trucs là. Bonus de PA, PV max plus 10%. Tu vois, elle va avoir équipement lourd quand je vais lui foutre ça. Qui peut être pratique, un tank. Un tank qui peut foutre de l'équipement lourd, ça peut être très pratique. Bah c'est en fait chaque coup les SP restants, c'est ça en fait. C'est que je peux apprendre de compétences, tu vois, par rapport au lien, tu vois, par rapport à l'affinité que j'ai avec chaque perso. Tu vois, si j'ai tous les trucs entourés, c'est-à-dire que je suis à fond, et bah que j'ai aucun lien, et les SP, bah, en fait, c'est le coût d'une compétence que je peux mettre. Tu vois, là, le poids de l'équipement est réduit, tu vois, SP requis 5, c'est-à-dire que je perds, il va me rester 30 SP. Etc, etc. Augmente les dégâts des terres, le truc lui sert strictement à rien, ce mec. Ça permet de rajouter certains trucs au personnage pour compléter un peu le perso. Tu savais pas ça, Evan? Vu que t'avais l'air de bien connaître le jeu, ça m'étonne. Ah bah comme quoi on en apprend tous les jours. Comme quoi on en apprend tous les jours. Je cherche pas hein, moi quand je joue un jeu, moi je fouille tous les menus. J'essaie de comprendre à quoi sert chaque menu moi quand je joue un jeu. Parce que j'aime bien comprendre à 100% le gameplay d'un jeu. Pour pas louper un truc qui pourrait être important. Mais après, si je voulais vraiment pas le prendre un truc important, je jouerai avec les autres personnages pour avoir les autres compétences des autres personnages pour être sûr d'avoir les meilleurs. Mais je les aime pas les autres persos. Donc, je le fais pas. J'aime pas en fait. La seule bonne healeuse, c'est Carla. Et le seul bon tank que je trouve, c'est Rain. Après, c'est que mon avis, il y en a qui préfèrent avoir le frère de Fiora en DPS, ils trouvent que Fiora est mieux. Après, c'est au goût de tout le monde. Mais moi, l'équipe de base me plaît. J'ai toujours joué avec elle, donc me faire changer d'équipe, ça serait très compliqué pour moi. Aïe.
Quand tu vois que par mois je gagne 150 PA. Ouais, ça prend du temps, c'est sûr, mais bon. Ça prend du temps, mais ça peut être utile. Et aussi, faut pas oublier de le faire, quoi, de changer d'arc de compétence. Je sais pas combien il a fait Rain, mais je crois qu'il a fait dans les 100 000 de dégâts Rain là. Je crois qu'il a fait dans les 100 000 de dégâts Rain là. Faudrait que je fasse le ralenti. Steven, tu peux faire un uptime s'il te plaît pour que je regarde au ralenti. Que je regarde en ralenti combien il a fait de dégâts Rain là sur ce combo. Parce que je crois qu'il a fait plus de 100 000 de dégâts. Là, je crois qu'il a fait plus de 100 000 de dégâts, le Rain. Hein. Bah en fait j'étais sur un combo, je tapais sur les rouges et j'avais une chaîne de combo de 1, 2, 3, 4, 5. J'étais au cinquième coup et quand on enchaîne les mêmes maillons de même couleur, les dégâts augmentent assez exponentiellement au bout d'un moment. C'est pour ça en fait, c'est pour ça le mob, j'ai vu qu'il avait beaucoup de vie, j'avais pas envie de perdre du temps. J'ai vu que ma barre de lien était complète, j'ai dit poum. C'est Rain, c'est R-E-Y-N. Oh, pas grave, t'inquiète. Ah merde, il s'est retourné juste avant. C'est pas drôle. C'est pas drôle, le mec con. Pourquoi tu t'es retourné? Arrête de bouger! Merci. Ah non, c'est pas un assassin, en aucun cas. Juste que... Atelier du face à divin. Ouais. Le nom me plaît pas trop, là. Non, c'est juste que la technique, c'est juste un combo, en fait. Un combo de même chaînon, de même couleur, ça fait super mal. Et en plus, là, j'ai utilisé son coup le plus puissant. Donc on va dire que le mob il a pas trop aimé. Surtout qu'en plus avant de faire le combo j'avais fait exprès de baisser la défense de l'ennemi. Avec mon art, avec les arts de Schulk. Pour justement augmenter les dégâts que je ferai pendant l'assaut. Bon, le temps, tu veux bien récupérer l'aggro un jour?
やったね。主に俺のおかげだな。 Oh non, elle en est loin. Elle est à peine à 10 000. Hein. Il m'en faut 15 000. J'ai encore le temps avant de pouvoir la réaméliorer. On a deux sous. Hein. Putain, il est déjà niveau 8 quoi. Ah, il me faudrait un gros mob que je puisse refaire un gros combo comme tout à l'heure avec beaucoup de points de vie. Oh, ok, il y a un gros mob. 2400 à 2600. Ah non, je suis pas perdu en aucun cas, Steven. J'essaye de trouver des élites en fait. Bon, déjà là, il y a une élite. Ah, il y a juste un boss là. Le mec il doit être niveau 80 minimum. On va pas aller le taper, hein, il est rouge donc c'est sûr que je vais faire viol. Du moins, je cherche des élites en espérant qu'ils aient un livre. Et comme je peux pas le savoir à l'avance, c'est un peu du au bonheur la chance. Après, je sais pas si le niveau 80, si ça se trouve, il est même plus que niveau 80. Après je dis chiffre 80 parce que d'habitude les mobs là ils sont au niveau 70-80 quand je vois le chiffre rouge. Quand je vois ça en rouge, là j'ai juste vu au pif, ça se trouve il est même plus. J'arrive même pas à le cibler, je peux même pas savoir combien il est de niveau. J'arrive même pas à le cibler, le jeu veut pas que je le cible. Ah non, niveau 70 seulement. Niveau 70 seulement. Ah, pourrait presque bientôt me le faire. Pourrait presque. Ah, je le pensais plus à HL que ça. Vu que c'était une dernière zone du jeu. Ouais, au niveau 67, ça se tente. Ah bah, de temps en temps, ils arrivent à avoir des bons noms. Hein. Bon, y a pas un élite un peu moins puissant que le niveau 70, là, qui traîne?
Allez, juste pour le lol, j'ai envie de voir combien il va et comment il va me faire de dégâts. Juste pour le lol, hein. J'ai très bien qu'il va me violer, hein. Je sais très bien qu'il va me violer, mais je suis un peu con. Oh, j'arrive même pas à le toucher. Il y a trop de niveaux différents, je le touche même pas. Tous mes coups sont en mode échec. Ouais, ça sert à rien. En rouge, tu peux pas affronter. Il y a que quand l'ennemi est jaune que tu peux espérer affronter. Là, aucun de mes coups touche quasiment. Je peux même pas tenter l'affrontement. C'est même pas drôle. Tous mes quiz est en mode échec, échec. Ah bien sûr que les monstres de départ je les one shot. Bien sûr. Ah c'est même pas drôle. Je pensais m'amuser à le défier. Mais j'ai même peu pas. Tous mes quiz en mode échec, échec, échec. Ouais, je peux vraiment taper les monstres que s'ils sont jaunes quoi. S'ils sont pas jaunes, ça sert à rien. Au moins un jeu qui est pas raciste. Quoique, tu peux taper que seulement s'ils sont jaunes. D'un autre point de vue, ça peut être très raciste. Ah putain, je suis trop con comme mec. Moi, fou? Non, je vois pas de quoi tu parles, maître C. Je sais pas. Moi fou, non. Moi pas connaître ce mot. Ouais, être juste mentalement instable. C'est pas pareil. Ouais, alors là... Ah bah voilà. Des copains. Peut-être, peut-être, mais je verrai après. Oh oui, cette musique. Oh. Désolé, j'adore cette musique. J'adore cette musique, putain. C'est un peu compliqué de monter le son, vu que c'est un HDPVR. Pour monter le son, si je monte le son, ça va faire bugger l'HDPVR. Vous allez avoir un écran noir pendant quelques secondes. Ça fait pas de couilles. Bon. Tu veux pas plutôt magro? Au lieu d'agro la heal. Yeah.
26 000 de dégâts. 46 000. Maintenant, regardez combien il va faire lui. 70 000 de dégâts. Ok, tout à l'heure il avait fait que 70 000. Non, tout à l'heure il avait peut-être fait plus parce que là j'ai utilisé la technique arrière donc j'avais déjà augmenté mes dégâts. Voilà. Mais bon, faut que j'aille où parce que là. Pour donner que la map est pas très précise sur là où faut que j'aille. Oui, la quête rouge, elle me dit d'aller où? J'ai pas la moindre idée de là où je dois aller. C'est génial. Gagner le sommet de la tour? Ouais, et quel tour? Non, parce que je suis déjà allé tout en haut tout à l'heure, mais... Je suis allé jusqu'au poste d'observation, il n'y avait plus rien autour, il y avait que des cul-de-sac. Je veux bien aller au sommet de la tour, mais... Là, on va dire que je sais vraiment pas où je dois me rendre, là. Bah, c'est là d'où je viens. Donc, c'est sûrement pas par là. Quand il doit y avoir un petit chemin que j'ai pas vu, quelque part, mais... Comme je viens juste de le dire, je l'ai pas vu. Non, je dois monter, waouh. Merci, Captain Obvious. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, j'ai rien de très intéressant. Y'a rien de très intéressant, hein. J'ai pas plus haut qu'ici, hein, le jeu.
À moins que maintenant il y a un truc activé ici. Non, il n'y a rien activé ici. Non, mais là je suis au plus haut de là où je suis. Et vous parlez de quelle tour le jeu là? On était au sommet de la tour, mais quelle tour? Il n'y a pas de tour ici. Avec des cul-de-sac. La tour elle est là, mais j'y vais comment moi dans votre tour? Je vais bien, mais. Ça montait pas tant que ça la défense. Hein. Oh non, lâche-moi toi. On n'est pas dans Breath of the Wild. Ouais, alors là, je vois pas le chemin. Problème. Je vois pas où est le chemin. À moins que ça soit ouvert avec les mécos que j'ai combattu tout à l'heure. Non, ça c'est toujours fermé. Mais justement, sur la carte, j'ai rien. J'ai rien sur la carte. Justement. Je l'ai déjà regardé tout à l'heure, mais j'ai rien sur la carte. J'ai rien, y a pas de point d'exclamation rouge qui me dirait où aller, j'ai rien sur la carte. C'est bien là mon problème. Si sur la carte ils avaient montré, j'y serais allé, mais sur la carte y'a que dalle. Y'a que dalle sur la carte. Y'a que dalle! Là, j'aimerais bien aller là, mais c'est fermé. Bah là, c'est là où je dois aller, bah je peux pas y aller. Oui, mais justement, j'ai pas accès. Les boutons, ils sont de l'autre côté. Les boutons, ils sont de l'autre côté. Je ne peux pas y accéder. C'est bien là tout mon problème. C'est bien là tout mon problème. Ils sont de l'autre côté. Parce que les boutons dans le jeu, ils se voient bien. C'est une grosse plateforme avec un gros truc au milieu de couleur verte. Tu vois, le bouton pour désactiver le champ de force, il est là. Tu vois, il est juste là. Et il est de l'autre côté. Il est de l'autre putain de côté. Et donc je tourne en rond comme un con depuis tout à l'heure parce que je trouve pas le chemin. Mais y a pas de passage en bas. Je viens de faire le tour. Y a aucun passage. C'est un passage de le haut vers le bas, avec c'est un truc de pour récolter de l'éther, ça c'est un passage que j'ai accès par un autre chemin. Pff. Ah non, être bloqué à cause de ça parce que tu trouves pas ton chemin, c'est pas de couilles. Ça c'est un truc. Oh lâche-moi, j'ai pas envie de te combattre. Je cherche mon chemin, que je trouve pas. Steven, je viens de monter le plus haut possible. Je viens de monter le plus haut possible. Oh, mais lâche-moi. Bah là, je vais revenir exactement au endroit où j'étais. Voilà. Là, c'est l'autre côté du chemin.
Oh non, mais c'est pas de couilles. Ah là, c'est pas de couilles là. Là c'est pas de couilles. C'est très, mais alors très, pas de couilles. Bon, vu que tu commences à me péter les couilles, toi. Quand tu comprends pas où est le chemin, c'est pas de couilles. Ça, je l'ai activé. Prenons cet ascenseur. Bah non, c'est là où j'étais tout à l'heure. C'est là où j'étais tout à l'heure. Non, là, je vois pas le chemin, là. Je vois pas du tout où est le chemin, là. Oh non, mais lâchez-moi. En plus, encore un de sniper qui est en haut. Je vois plus ça comme chemin, si c'est pas là, je vois pas où c'est. Je vais où comme ça là? Je suis allé ici, c'est... Quand t'es paumé, quand t'es paumé. Ah bah oui, je suis revenu au tout début du jeu. Bon, bah on va aller par là-bas, j'y suis jamais allé. Allons visiter, hein. Ah mais quand t'es paumé. Ah moi quand je me paume c'est pas à moitié. Bon eux ils vont me laisser tranquille vu qu'ils sont niveau 57 bien trop en dessous de mon level pour qu'ils me fassent chier. Là on peut clairement dire que je suis bloqué parce que je suis paumé et que je trouve pas mon chemin. Et pourtant j'ai déjà fini ce jeu. Mais là je trouve pas mon chemin. Ah, eux, ils vont me repérer par contre. Et j'ai pas envie. Ah, j'ai pas vraiment envie de combattre là. Je veux juste trouver mon chemin. Florence la douce. Lol. Bon, on va faire l'élite, hein. Vu que les élites, c'est un cas à part.
Putain, il m'a même pas laissé de coffre rare. À cause qu'il était trop en dessous de mon level. Oula. Attends, c'est lui qui laisse le coffre rare. Lol. Salut Cinemad. Ah, Anta et aérienne. Bon, si, il me l'a laissé, d'accord. En fait, quand tu combats une élite, s'il y a deux ennemis, c'est le dernier ennemi qui lâche le coffre rare. C'est un truc à savoir. C'est pas l'élite, c'est l'élite qui donne la récompense, mais c'est le dernier mob en vie qui donne le coffre. Ah, améliore l'arc de Shulk, en taille aérienne, cool. En plus, je sais c'est lequel. C'est celle, ah non. Ah, ça y est, ah, c'est celle-là. Oh. Mais c'est génial. Ah bah enfin, je commence à débloquer mes skills. Ah bah j'ai bien fait de me perdre. J'ai débloqué un des skills de Shulk au niveau à fond. Ah bah ouais, bah faut vraiment que je les ferme les élites, hein. Oh, ça me dit toujours pas où je dois passer, hein. Je suis toujours autant paumé sur la map, hein. Par contre, ça... Ah, je suis clairement bloqué, là, en fait, hein. Je suis autant bloqué par contre, hein. Ah, mais je veux pas te combattre, toi, lâche-moi. Mais bon, il m'a lâché. J'aimerais bien aller là, mais je sais pas comment m'y rendre. Je vois des trucs, mais je sais pas comment on s'y rend. C'est frustrant, je trouve. Tu vois, là, il y a des chemins, là. Là, je vois un chemin, mais je sais pas comment je m'y rends. Pff.
sais pas du tout comment je m'y rends. Mais c'est frustrant. Je peux sauter pendant que l'ascenseur est en route? Je vois que ça. Hein. Me dis pas que c'est ça la solution, sauter pendant que l'ascenseur est en route. Parce que putain, si c'est ça, vous êtes des putes là. Chez Moonlight Studio. Si c'était le truc, c'était penser à trouver l'ascenseur et qu'il fallait sauter de l'autre côté, vous êtes des putes là quand même. Parce que ça, c'est un chemin que j'ai jamais fait par contre, ça. Joue d'animé. Un fan de Reborn. Dites-moi que je me suis débloqué, que j'ai trouvé le bon chemin, pitié. J'en ai marre de tourner en rond comme un con depuis tout à l'heure. Mais si le chemin c'était ça, Moonlight Studio, vous êtes des putes. Voilà, goodbye. On s'en fout. On veut les combattre juste pour un peu d'éther. C'est trop, je suis monté là, il y aura juste un putain, juste un élite. Ah bah voilà. Une quête non. Une quête au pif. Pour un monstre caché. Eh merde, je pensais avoir trouvé le bon truc, et ben non. Ok, bon, pour lui, faut spammer le bouclier. Oh merde, Rain n'a pas pu faire son coup.
Et ouais, je viens de faire 49 000 de dégâts. 58 000. Ah merde, il n'y avait pas de livre. Dommage. Eh merde, il n'y avait pas de livre. Bon bah, je pense avoir trouvé enfin le bon chemin. Et bah non. Eh fuck. Je pensais avoir trouvé le bon chemin et là, non, 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 c'était pas le bon chemin. Mais c'est où, putain? J'ai loupé un truc ici? J'ai loupé un truc ici, je sais pas. Ah bah oui, là où je dois aller, bah j'ai enfin trouvé où était la truc, mais comment dire ça, c'est un endroit où j'ai pas accès. Le jeu me demande d'aller à un endroit pour ma quête où je n'ai pas encore accès. C'est sympa. Je comprends pas par où faut que je passe, et ça me pète les couilles là. Là, je suis déjà passé par là. Je vois pas où c'est le chemin là. Franchement, je vois pas où il est. Pourtant, je me souviens que la première fois que j'ai fait jeu, j'en avais pas autant chié dans cette zone. Ça m'aurait marqué. Une zone où j'en aurais chié, ça m'aurait marqué pour trouver mon chemin. Je m'en serais souvenu toute ma vie. Un truc où j'en chie pour trouver la solution, je m'en souviens toute ma vie. Et personnellement, vu que je me souviens pas plus de cette la zone, c'est que j'en ai pas chié quand j'ai fait le jeu pour la première fois. Vous êtes en train de me dire, quand ce jeu est sorti sur Wii il y a une dizaine d'années, j'étais plus fufu qu'à l'heure actuelle. Ça me fait un peu chier, mais apparemment c'est ça. Ouais, non, mais je vois pas le chemin là. Ça me pète un peu les couilles là, franchement.
Non, là, y a rien. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas, papa. Je vois pas. Et je trouve comment compter tout à l'heure. Non, là, et là, je vois pas. Aïe, un paumé. J'ai pas envie de te réaffronter, mec. Donc, va se téléporter. Ouais, là, ça commence à juste un peu les couilles, là, en fait. Attends, mais dis pas que... C'est parce que j'avais pas affronté ce mec là que ça s'ouvrait pas. Mais dites pas que j'en suis juste parce qu'il y avait un monstre caché que j'avais pas vu. Non, mais dites pas ça, pitié. Pitié, me dites pas ça. C'est que ça s'est pas ouvert. Je suis très con. Pourquoi Rain n'attaque pas? Oh merde, ça fait pas le gros, ça a pas fait le gros enchaînement. Re Steven. Ah merde, mauvais art. Mauvais art lancé. Caralho!
Alors, en tout cas, il me met bien en PLS, hein. Et la heal, tu veux bien heal? C'est pas qu'on est tout le temps en PLS de points de vie, mais quand même un peu, hein. Oh, un peu chaud ce combat. Je crois en fait depuis tout à l'heure il y avait ce bouton qui était pas derrière le champ de force. En fait je tourne depuis tout à l'heure comme un coup en fait que la solution était juste là en fait. J'ai envie de te dire. Je tourne en rond comme un coup alors que c'était juste là en fait. J'ai juste pas vu l'interrupteur en fait. Comment j'ai envie de me frapper là en fait. Je tourne en rond depuis une demi-heure, je me suis énervé pour rien. C'est juste moi qui étais juste super aveugle. J'ai envie de me frapper. J'ai envie de me frapper. Mais violemment en plus. いけるか。当然だ。これだけの戦力があればシルクがいなくともな。ったく小僧に面倒かけさせたくないだけだろ。素直じゃねえな、リサ。うるさいわ。ほっとけ。4号師団は全出力を障壁の維持に投入せよ。6号師団はホムス軍の負傷者を支援せよ。 こいつはいい。ハイエンターども、生っちろい奴ばかりだが、役に立つじゃないか。あのバカ者が、むやみやたらと突っ込みおって。火の者、今こそノポンの底の真の力を見せる時ぞ。勇者力の戦い、忘れるなもう。 今のところは我々が優勢と見てよいかな。はい、このまま戦況が推移すれば我が軍の大勝利に間違いはありません。まだ早いよ、そう思い込むのはね。敵はまだ戦力を隠している。殿下、敵増援、上空より接近。顔つきの部隊です。 1から3号師団、ホムス部隊を支援しつつ顔つきを包囲せよ。殿下、それでは殿下の直営が。前衛が崩壊したら結局は戦うことになる。幽閉となるよりマシだ。急げ。ザコがいつまでも気分出してんじゃねえよ。 C'est un peu ça, maître C. Hanaから決まってんだよ。こうなるってな。意外と使いこなしてるじゃない。ちょっと嬉しくなっちゃうかも。でもまだまだこんなものじゃないわ。この子たちの本当の力は。 貴様ら、後ろから耳ちい戦い方しやがって。この俺が少年を叩き直してくれるわ。
Faudrait que je pense, quand je serai niveau 67, aller réaffronter l'élite, là. Quand même, parce que, étant donné, si le livre d'une des compétences que j'ai... Bah, moi aussi, je croyais qu'il était mort, mais non, apparemment. Ah, j'ai atteint une ville, là, en fait. Ah ouais, ah bah tu te souviens très bien en plus, Steven, oui, c'est ça, oui. Écrasé par son véhicule, oui. Eh bah tu te souviens très bien, Steven. Bien joué. Surtout que ça faisait surtout que ça fait un moment en plus que quand on a vu cette cinématique du soldat écrasé par son véhicule. La tenue de reine qui a aucun sens. どの建物も随分長い時間が経ってるみたいだ。ミロシル君、大恐竜だも。大恐竜だって。これはテレシア。石みたいね。 どうしてこんな場所にテレシアが。この化石化したテレシアは太古の戦いの際、このテートを襲った者たちの慣れの果てです。なぜテレシアがあなた方の町を襲ったの。大昔の戦いって巨神と鬼神だけのものではなかったの。その答えはあの中央に立つ塔 Ah merde, c'est de là où je viens. Mais je voulais aller au passage secret là. Arf. Pour de l'éther. Non, y'a pas moyen de gruger. Oh bon. Ah, plein de quêtes. Oh, mais laisse-moi visiter, connard de quête principal. Bon.
Ah bah je vais faire plein de quêtes pour la prochaine fois que je vais faire le jeu, hein. Il y a plein de meurtres d'élite en plus. Y a rien à acheter. Ok, il y a de la quête, hein. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour ce soir, hein. Bon bah sur ce jour, merci d'avoir regardé. Pour quand le prochain live de Xenoblade, bah ça sera déjà pas demain. Normalement ça serait déjà Mario Kart, mais demain comme j'ai un repas, Mario Kart est reporté à dimanche. Donc logiquement ça sera à lundi, sauf si j'ai la flemme. Logiquement la suite ça sera à lundi. Logiquement. Donc sur ce, bonne nuit.